Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Et oui, enfin une nouvelle vidéo, ça m'avait manqué, ça vous avait manqué. Et aujourd'hui nous allons visiter un château exceptionnel, le château Banana. Je suis toujours accompagnée de ma fidèle Julie. C'est un barbec? Il est plutôt stylé celui-là. Il est très stylé. Il est superbe. Petit message pour les urbexeurs. Alors, avis aux urbexeurs, merci de respecter le lieu. C'est exactement ce qu'on compte faire. On respectera les lieux. Madame, je vais poser vos chaussons à vos mains. Qui est la Cendrillon qui a abandonné ses deux chaussures ici? Oh, regarde une vieille corbeille. Petite corne d'abondance. Ah. Faisons la référence à notre première vidéo. Épisode 1, les cornes d'abondance, c'est pour les gens qui baisent. Exactement. Et nous voilà entrés dans le château Banana. L'on vient de se faire accueillir par Coluche. Ah, c'est sympa. Ouais, ça va être dingue. Alors, on a un passage par ici, qui a l'air plutôt encombré. Et nous avons un passage par là, qui a l'air relativement mieux. Nous avons été accueillis par Coluche, mais aussi par un chaton mignon. Il reste encore énormément de jouets d'enfants. Et si le château Banana s'appelle ainsi, c'est que partout dans le château, il y a ces caisses-là, où il y a des bananes. Vous voyez, on en voit aussi au fond là-bas. Je sais pas, c'est des espèces de trucs en J'ai l'impression d'être dans une brocante. Lourd. Putain, mais t'as vu les dorures dessus? Mais c'est ça, on a un truc dans une brocante. Regarde. Et la casserole, oh, regarde. Oh là là, elle est magnifique. Alors ça. Mais elle est hyper rouge. Les coffres-forts sont bizarrement tous ouverts. Les plus jeunes ne s'en souviendront pas, mais ça, c'est un magnétoscope. C'est un magnétoscope? Un magnétoscope. Ah non, c'est un lecteur DVD. Désolée. Tu crois? Ah oui. Où est-ce que tu mets le DVD? Quelque part. Je ne sais pas ce que c'est. Dites-nous dans les commentaires, lecteur DVD ou magnétoscope. Les gens, alors, est-ce que vous connaissez le syndrome des gens qui conservent tout? Ouais. Je pense que cette maison faisait, enfin, appartenant à un mec ou une femme qui effectivement avait ce syndrome, c'est pas possible de garder. Les théories sont permises dans cet urbex car nous ne connaissons rien de l'histoire de ce lieu. Nous savons juste qu'il a appartenu, qu'il a appartenu aux Allemands. Mais tout de suite, une voix off qui va vous expliquer un peu ce que je sais de ce lieu. Bonjour, c'est la voix off qui lui raconte tout ce que je sais sur ce lieu. Ce mystérieux château est une découverte assez récente, c'est pourquoi on en sait si peu. Situé dans le Grand Est, le château Banana a probablement été conçu comme un hôtel particulier, il y a peut-être 80 ou 100 ans. Une conversion échouée de villa privée à hôtel. L'étage intermédiaire comporte plusieurs chambres, pour certaines pas finies, avec pour toutes une salle de bain privée. Les issues de secours sont indiquées, mais pourquoi a-t-il été abandonné, ça nous le savons pas, du moins pas encore. Bah, tu sais à quoi ça me fait penser? Un déménagement pas fini. Est-ce que t'as des cartons? T'as du journal en quantité suffisante pour emballer toute la vaisselle du monde? Alors.
Nous avons ici des sofas, plein de sofas retournés dans tous les sens, des meubles en pagaille, une belle cheminée. Ici, ça devait être un bar. Et là-bas, un lavabo. Voilà, voilà. Le piano. Et... bam! Voulez-vous prendre le thé avec moi? C'est l'heure du cup of tea, non? Cup of tea. Bon, nous sommes revenus dans la pièce du piano car j'ai trouvé un truc assez flippant. Une cage à oiseaux suspendue au plafond. On regarde la malle ? On regarde la malle. Malle, des vêtements. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh, flippant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une perruque! Une perruque? Ouais. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. On aura tout vu dans ce monde. Oh. Il est éventré par l'entrejambe. Elle lui manque un bras. Je fais un constat. Encore une perruque! C'était. Elle est bien s'éclater à Zélie. Ouais. Ça se trouve, on va peut-être retrouver un théâtre. Avec les lumières posées sur la poupée, on dirait que ses yeux sont luminescents. Vas-y, dis-moi tout. Je crois que je sais pas. Joue-moi du Chopin. Yes. Merci. C'est magnifique, hein. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. C'est gratuit. Et abonnez-vous à la chambre. C'est quoi ce truc? Non, ça tu peux pas, mais ça fait pas du tout. De quoi qu'il fait pas. Et abonnez-vous à la chambre. Des fois, je regarde mélancoliquement par la fenêtre et je pense à... bah, rien, généralement. Je pense à rien. Je pense pas à grand chose. La chambre numéro 4. Il s'est passé des choses dans celle-là. 4, c'est un chiffre porte-malheur en... au Japon. Porte-malheur? Ouais, ça porte malheur au Japon, le chiffre 4. Pourquoi la lampe ressemble à un cul bleu? Un cul de schtroumpf? Je sais pas, mais moi, je suis un peu plus romantique, j'y vois un... un cœur. Qu'en pensez-vous? Magnifique. Désolée, attends. Ceci est un cœur ou un cul de schtroumpf? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce un cœur ou un cul de schtroumpf? Enfin, le pouet. Alors, ceci est un lit, une personne avec seulement un demi-matelas. Comment les gens pouvaient dormir dessus? Où allons-nous? Sur la terrasse. Yes! Pas mal! Waouh! Il y avait de quoi faire! Petite terrasse en automne! Petit barbecue! Putain, c'est bien ça, c'est beau! Discothèque baby! Discothèque baby avec la lampe torche! Ambiance. Attends. Oh, yeah. Yeah. T'as la marqueterie. Je vais juste garder. C'est un bureau. Oh my god. Il y a tellement d'objets de fête. Attention, la salle de bain.
c'est une souris. Non, ceci n'est pas un god, c'est un tire-bouchon. Ah, les gens vont me laisser ma place. Oh là, je te jure. Star Wars. Petit KGB. Oh putain, là c'est un des punis. Harry Potter. Harry Potter. Oh. Oh non, c'est plus. Oh non, c'est trop mignon. Oh. Waouh, la tête de lui. Oh. Oh my god, je vais toucher ça. Oh. Non. Ça m'a pas touché, mais je sais pas ce que c'est, bordel. Essaie de... De l'enlever quand même. Non. Ok, de nuit. Une chemise. Une chemise de nuit. Juste flippante. Mais grave, oh. Oh. Bonjour, monsieur. Anthony Crickman. Bonjour, Anthony Crickman. Putain, hey. Waouh. Ils ont des matelas, mais ça déconne pas là. Faudrait faire un coup de pente. J'avoue. Putain, t'accroches pas à la rambarde. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas comment ça marche. J'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais. Alors. Ah. Oh putain. Go pour le caveau. Sans issue, accès fosse septique, c'est écrit. Mais regarde, il y a une pièce au fond. Alors là, on a un petit entrepôt de lustres. Tu m'en diras des nouvelles. Tu prends lequel, Charline? Je sais pas trop. Peut-être le blanc. Sympathique. Le blanc? Bon. Mmh. Lequel? Celui qui prend l'ouïe, là? Bon, j'hésite avec ceux de la gauche, là. Ah. Regarde sur ta gauche. Pas mal aussi, ceux-là. Pas mal, ceux-là aussi. Attends, je prends une... Oh, regarde, il y a une corne d'abondance. On a dit quoi sur les cornes d'abondance? Les cornes d'abondance? On avait dit comme quoi c'était pour baiser les spoons d'apple. Exactement. C'était signe de baise et de promenade à poil. C'est écrit quoi? Autre vidéo. Et regarde ici, c'est une salle de prière. Une salle de quoi? De prière. De prière? Oh putain. Jésus revient. Touche pas. Moi je le toucherai pas. Non. Ne touche pas. Mais pas avec tes mains en fait. Bon. C'est un carnet de musique. Mais oui, tout va bien. C'est pas grave, je touche pas vraiment. Ok, d'accord. Les gens chantent. Viens faire ta lessive. Mais les tout petits hublots. Mais tu n'as pas beaucoup de choses à attendre. Je vous remercie d'avoir suivi cette exploration avec nous. Tu peux laisser un j'aime et t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je vous mets tout ça
en lien dans la description, ainsi que le site d'Urbex et l'Instagram de Julie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut !